se retrouve pour un nouveau weekly vlog, un petit weekly vlog sur ces vacances. Comme ça vous verrez un petit peu ce que je vais faire pendant ces deux semaines de vacances. Je vais essayer de faire ça en concis, en efficacité. On va essayer. Et puis je vous montrerai aussi, je pense, quelques préparations. Je vais commencer à préparer ma classe dès maintenant pour faire un petit peu par jour. Pour pas faire tout au dernier moment. Parce que moi je suis quand même la reine du dernier moment. Hein, ça m'arrive souvent. Là ce matin on est le mardi 18 février et c'était la mission du matin. Je me suis levée tôt et tout pour aller chez Sephora. Et j'ai fait deux Sephora pour celles qui sont beauty addicts comprendront, pour aller voir la nouvelle collection de Sana, de Sananas avec Sephora. Vous avez sûrement tous entendu parler de cette collection. J'ai réussi à voir sur internet la grande palette quand c'est sorti sur internet. Et là en magasin je voulais les pinceaux parce que j'ai pas réussi à les avoir sur internet. Et je sais que ils allaient être disponibles en magasin. J'ai fait deux Sephora. Le premier Sephora, il y avait deux kits de pinceaux. Et il y avait 5 personnes devant moi, donc imaginez bien que quand je suis arrivée devant le rayon, il n'y avait absolument plus rien. Photo à la pluie. Du coup, je suis allée dans un autre Sephora, pas très loin, où il y avait un peu plus de stock, et puis je suis arrivée encore une fois juste avant l'ouverture, il y avait une personne avant moi, j'avais eu un peu plus de chance, et là il y avait un petit peu plus de stock, du genre 6 kits de pinceaux et 6 palettes, alors que dans le premier, il y avait genre 2 kits de pinceaux et 3 palettes, quoi. Donc même si effectivement Sephora a fait l'effort d'en mettre dans tous les petits Sephora de France, c'était vraiment des quantités rikiki. Surtout que les Sephora, je pense qu'elles sont passées avant, du coup il n'y avait plus rien quoi. J'ai quand même réussi à avoir mon fameux kit de pinceau qui est là et je sais pas si je suis contente ou pas parce que vraiment ça m'a saoulé de faire tout ça. Honnêtement, si j'avais pas était pour des copines, je l'aurais peut-être pas pris. Je le voulais, et puis après je me suis tant pis, c'est pas grave, voilà. Et au final, comme il y a les rendez-vous de Stacy qui le voulait, donc j'ai essayé de lui prendre pour elle. Il y a Ella qui voulait la petite palette, donc j'ai essayé de la prendre pour elle. Il y a une abonnée qui s'appelle Stacy aussi, qui voulait aussi la grande palette, mais la grande palette n'était pas du tout en magasin. Elle sera là que vendredi, et honnêtement, je pense pas y retourner vendredi pour quelqu'un d'autre. Moi je l'ai déjà, donc je pense que Stacy, elle y retournera toute seule. Mais voilà. Donc comme j'avais une mission, trouver des palettes pour tout le monde, voilà. Donc elle a sa petite palette et moi finalement je l'ai prise quand même parce que j'ai réussi à avoir les moins 20% en magasin en faisant un click and collect, en restant devant le stand avec la dame pour qu'elle me valide mon click and collect au bout d'une heure. J'ai un peu galéré quand même ce matin parce que il y avait quand même moins 20% sur internet et en magasin il n'y avait pas. Bah j'avoue que je préférais avec moins 20%, ça m'a fait quand même une sacrée réduction. Et sans les moins 20%, bah j'aurais pas eu quoi, j'aurais pas pris de toute façon sur moins 20%. Même avec moins 10%, ça m'aurait un petit peu moins intéressé. Donc avec moins 20, ça passait, j'ai une bonne réduction. Maintenant les copines, elles me rembourseront ce que j'ai pris pour elles, parce que j'ai avancé quand même une grosse somme, hein, faut le dire. Le kit de pinceau, même avec moins 20%, il est quand même à 55€ au lieu de 70. Donc il paraît qu'il est bien, donc j'espère ne pas être déçue. La palette, je l'ai aussi reçue donc la semaine dernière. Je voulais pas montrer parce que je vais vous la montrer dans un futur haul. Vous l'aurez peut-être déjà vu. Si c'est le cas, je vous la remettrai dans le petit i. Mais en tout cas, un haul se prépare très prochainement. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la petite palette que j'ai eue dans mon swap avec ma petite Lily. C'est la fameuse palette de chez Too Faced. Comme ça, elle est juste magnifique. Là, j'ai utilisé l'espèce de vert qui est dedans. Il est trop beau, j'aime beaucoup cette palette, vraiment, je suis assez épatée. Je vous ai fait un petit make-up avec, je vous le remettrai aussi dans le petit parce que j'ai fait un petit make-up un peu découverte, crash test. Et comme vous pouvez constater, j'ai été déjà conquise. Mais c'est pas du tout le même genre de make-up, donc n'hésitez pas à aller là, le voir. Et je vous parle de plein de choses intéressantes, de plein de choses qui me saoulent en ce moment. Et sur les lèvres, j'ai décidé de tester un liquid matte lipstick de chez Golden Rose, qui est la teinte 22, qui est très beau. Un joli marron comme ça, j'aime beaucoup. Il est très mat, en revanche il assèche un peu les lèvres, mais ça va. Ça va. Aujourd'hui mon programme, garder mes enfants, m'occuper de mes enfants, faire quelques corrections parce que j'ai une pile énorme comme ça de corrections à faire. Donc je vais faire ça aussi aujourd'hui et je vais vous montrer tout de suite la Degustabox.
Bon, bah écoutez, cette Degustabox est un peu décevante, je vous l'avoue, parce que c'est beaucoup de choses qu'on a déjà eues. En plus, le thème, il me plaisait trop bien. Soirée télé, plateau repas, un petit peu de trucs comme ça. Et je m'attendais à avoir du style des cornichons, peut-être du fromage, du saucisson, même si je mange pas de porc. Voilà, des trucs dans le style un peu plateau repas télé. Mais là, du thé qu'on a déjà eu dans la box du mois dernier, les espèces de kits au curry, on en a déjà eu, je crois, il y a 2 mois. Les chips, je suis contente, les petits barres de chocolat, je suis toujours contente quand il y a du chocolat, en plus des marques que je connais pas, donc ça c'est cool. Voilà, je suis mitigée. En tout cas, comme d'habitude, si vous, elle vous plaît, parce qu'on ne sait jamais, moi elle me plaît pas trop ce mois-ci, mais peut-être que vous c'est le cas, eh bien, je vous mets 5 euros de réduction avec mon petit lien qui est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Coucou, aujourd'hui on est mercredi! Oui, déjà, ça passe vite. Je vais essayer de savourer ces vacances, ça va se mettre. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la fameuse palette Sana, que j'ai donc reçue la semaine dernière, comme je vous disais. Je me suis dit que dans ce vlog, j'allais vous montrer plusieurs make-up avec cette palette. Elle est très poudreuse. Mais vraiment, pour moi, trop poudreuse. Même plus qu'Anastasia Beverly Hills. Enfin, honnêtement. Alors, la première palette de Sana, faut savoir que je suis pas hyper méga fan des couleurs foncées parce qu'elles sont très difficiles à travailler, je trouve. Ici, c'est aussi le cas avec les foncés, les noirs et le noir et l'espèce de violet foncé. C'est ce que j'ai utilisé sur le coin externe. Et après, j'ai utilisé tout ce qui ressemblait à des couleurs un peu prunes, violines, pour faire ce make-up. Il y a cette jolie couleur là, qui est le coin interne, qui est très jolie, qui est... Comment elle s'appelle? C'est celle qui est tout au bout là. Juste là, et c'est la wow! Et c'est vrai qu'elle est pas mal. La texture de celui qui est tout proche là, vers le coin externe. Ici le coin là de la palette, une espèce de violet prune, encore une fois c'est la low attitude. Il est très beau aussi, les lumineux sont très sympas, mais comme l'autre palette, les couleurs mates foncées sont très difficiles à travailler, je trouve, et très poudreuses. Mais bon, le petit make-up, le voici, vous le voyez. Je vais vous montrer après ce que j'ai utilisé pour le teint, etc., pour faire les paillettes. Et je suis avec mon petit grabou. Coucou, petit grabou. Ça va, petit grabou? Il est avec nous et les deux grands sont chez mamie, donc on savoure d'avoir qu'un enfant. Oui, parce que trois, c'est quand même du sport, hein, faut le dire. Et voilà, le petit crapaud qui fait des bêtises. Alors pour ce make-up, j'ai utilisé, comme d'habitude en ce moment, j'essaie de terminer ce fond de teint qui est le Matissime Velvet de chez Givenchy et je l'aime vraiment beaucoup. Et avec, pareil, j'essaie de terminer le Born This Way, le concealer de chez Too Faced. Je trouve que c'est un duo qui va très bien ensemble. Sur le teint, j'ai utilisé aussi ma Chocolate Soleil de Too Faced que j'essaie de terminer aussi. Mon nouveau blush Tarte que Lily m'a offert dans notre swap, la teinte Frosée. Un enlumineur Becca, c'est la teinte opale qui est méga connue, que Hello Dis-moi tout m'a offert. J'ai utilisé en base sur mes yeux le violet que Lily m'a offert aussi, le Sephora, c'est un violet, c'est la teinte 31. J'ai utilisé aussi le noir un petit peu en coin interne ou externe, coin externe pardon. Sur mes sourcils, j'ai utilisé le petit produit à sourcils de la marque Shadow. En liner, j'ai utilisé mes deux liners de chez Urban Decay, les teintes Stonewall et Midnight Cowboy. Et au niveau des cils, j'ai utilisé mon trio, oui. Vous vous dites pourquoi elle met tout ça sur ses cils, mais celui-ci c'est pour les cils du bas, c'est le MAC. Ça c'est pour faire un effet volume, le Dior Show Maximizer qui est blanc en fait, qui fait un effet vraiment pump. Et ensuite en noir, mascara noir, j'ai pris le Kiko comme ça, qui est une collection qui est terminée. Et la fameuse palette, hein, vous avez compris, j'ai utilisé donc celui-ci, celui-ci en coin externe, celui-ci pour faire un petit peu la transition avec celui-ci, pardon. Et sur ma paupière mobile, ce petit fard lumineux qui est très très beau, et en coin interne, le wow. J'ai pas encore tout utilisé, donc comme je vous ai dit, je vais utiliser cette palette, je pense, un petit peu toute la semaine. Et sur mes lèvres, ce petit gloss Volumizing Lip Booster de chez Catrice que j'aime vraiment beaucoup. C'est Ella qui me l'a offert, Ella Rayon de Soleil, dans notre swap calendrier de l'Avent. Et celui-ci, c'est vraiment un gros chouchou. Hein. C'est un gloss qui fait vraiment un effet lumineux et puis qui ne colle pas surtout, avec un petit effet mentholé hein, qui fait pump un petit peu. J'aime trop. Ma mission du jour, faire des photos encore pour mettre plein de choses à vendre. Vous les aurez sûrement vu passer sur Vinted ou sur mon groupe, pas mon groupe, ma page Facebook, Karine Mixbook, Beauty Blog Plus Size. Et du coup, comme ça, ça va me permettre de faire un peu de tri. Les vacances aussi, c'est pour trier pour moi parce que ça me fait du bien.
Et là, je vais devoir aller dans un centre commercial pas très loin pour rencontrer les rendez-vous de Stacy, qu'on s'est déjà vu plusieurs fois, hein, c'est une youtubeuse du coin. Et je lui ai pris pour elle hier les fameux pinceaux de chez Sana, donc je vais lui ramener ça, avec deux petits cadeaux en plus, parce qu'elle m'a dit qu'elle était en galère, donc ça me fait plaisir de lui ramener. Donc je vais partir pour la rejoindre, et après, bah, ça va être rangement de mon bureau, comme je vous ai dit, faire des photos pour mes ventes, etc., etc. Et corriger, faut vraiment me le mettre à corriger, hein. La fille qui essaie de se booster mais qui n'a toujours pas fait de correction. Coucou ! Donc aujourd'hui on est jeudi, je me pense vendredi, je suis complètement perturbée. Au niveau du make-up, encore avec Sana évidemment, je vous ai dit que j'allais la tester plusieurs fois, comme ça vous verrez différents make-up. Un peu un make-up un peu marronné, or, et en bas j'ai mis du vert, je ne sais même pas si ça se voit encore. J'ai utilisé pour cela, alors le petit vert qui est là en bas là, je l'ai utilisé du coup en bas, je trouve que ça va être très joli cet effet un peu marron et vert. Pour le marron j'ai utilisé le Hakuna Matata, qui est ici, et le marron un petit peu plus chaud là, un peu orangé en coin externe, et le sabbat qui est là pour sur toute la paupière mobile. Comme je vous l'ai dit, les phares lumineux sont très très lumineux, ils sont très beaux. Il manque un phare clair pour mettre en point un externe, je trouve, un phare beige clair lumineux. C'est un peu ce qui manque dans cette palette, donc bon, je trouve. Mais en tout cas, le make-up d'aujourd'hui est plutôt pas mal. Mais encore une fois, j'ai eu des chutes, énormes, énormes chutes. Le marron là, qui est un peu orange, mais il m'a fait des paquets quoi. Pourtant, je tapote avant de mettre sur ma paupière. Hein. Je tapote mon pinceau pour enlever le surplus. Et honnêtement, j'étais impressionnée par ces chutes. Et même après avoir posé tout, j'ai fixé mon teint et j'avais encore des chutes. Je suis pas conquise par tout ça. Le fait que ce soit ultra poudreux comme ça, vraiment, ça. Après, les fards là se sont bien travaillés. Je suis contente de la pigmentation, mais ultra, ultra, méga, méga, méga poudreux. En tout cas, pour moi. Pourtant, j'aime bien Anastasia Beverly Hills et le côté poudreux me dérange pas. Mais là, vraiment, ça me dérange. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite coque d'iPhone pour mon nouvel iPhone, l'iPhone 11. Et j'ai reçu je ne sais pas comment ça s'appelle, de la marque Whoop Case, si je prononce bien. Donc c'est la marque Whoop Case qui m'a permis de choisir ça. À la base, moi je pensais recevoir que ce petit truc là. Vous savez, c'est les petits trucs qu'on accroche derrière sa coque et ça vous permet de tenir votre téléphone. Attendez, je vais vous montrer ce que j'en ai un là. C'est voilà, comme ça, ce genre de truc là, vous voyez, qui permet de tenir son téléphone, quand de regarder une vidéo et de pouvoir le poser, etc. Donc là, je vais regarder comment ça marche. Ah oui, ça se tourne, je pense, c'est ça. Ah non, ça se tourne pas, ça se déboîte et ça se remboîte facilement. C'est un peu comme siliconé à l'intérieur. Et du coup, ceux-là, vous pouvez les personnaliser avec vos enfants. Je pensais pas du tout recevoir la coque, j'ai pas du tout fait attention, je pensais recevoir que ça. Donc, si j'avais reçu que ça, très bien, je trouve très bien. J'ai mis la tête de ma fille avec son petit bandeau comme ça, que je vous ai publié sur Instagram. Je vous mets ici mon Instagram. Son petit bandeau un peu africain, on voit pas trop son visage, du coup, ça me dérangeait pas. Je trouve que ça a donné un petit air comme ça, très sympa. J'aime beaucoup ce genre de photos de ma fille. Et elle aime bien poser, donc c'est plutôt cool. Mais je savais pas qu'il y avait une coque avec. Donc j'ai reçu la coque. En revanche, la photo, du coup, elle a pas pris toute la coque. Donc je trouve ça pas... Je ne comprends pas l'intérêt. En plus, si j'avais vu qu'il y avait une coque, j'aurais peut-être choisi un fond violet. Parce que mon iPhone est violet de base derrière. Donc j'aurais peut-être choisi violet. Mais à part ça, je suis contente. Je vais pouvoir le mettre sur une coque transparente. Je suis plutôt contente de ce petit truc-là, du coup. Ça, un petit peu moins. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de visuel final. Donc ça, c'était un petit peu dommage, on va dire, de rendu final pour voir un peu ce que ça allait rendre. C'est un peu dommage. En revanche, si c'est un code promo, si ça vous intéresse, je vous le mets ici en barre d'infos. Je vous mets tous les liens si ça vous intéresse. Le site Whoop Case propose quand même pas mal de choses. Si vous avez un chéri fan de foot, vous pouvez donc lui commander, par exemple, ce petit truc-là, version avec le drapeau de son équipe préférée, etc. Il y a des choses qui sont pas mal pour les gens qui aiment le foot ou qui ont envie de mettre le drapeau du Maroc, etc. Donc ça peut-être vous intéresser. Sur mon colis pop in the box, vous savez, l'abonnement que je prends pour recevoir deux pop, et alors là, trop déçu, j'ai reçu Pinocchio et une pop de chez Batman, mais qui n'est pas du tout dans ma sélection. Dans ma sélection, il n'y a que quelques pop Disney, tout ce qui est La Belle et la Bête, et que du Harry Potter. Donc je ne comprends pas cette box-là, pourquoi j'ai reçu des pop qui ne sont pas les miennes. J'avais vraiment fait attention à tout ce qui était sélection et tout, je ne comprends pas. Là, je suis pas contente de pop in the box. Aujourd'hui, on est
vendredi, cette fois-ci le vrai vendredi, puisque hier j'étais complètement perdue. Make-up un peu dans les tons roses, puisque j'ai mis ce petit pull là et j'avais envie de rester dans les tons roses. C'est vrai qu'avec la palette Sana, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du nude, du rosé, un petit peu de vert, enfin on peut quand même un petit peu s'amuser, donc ça c'est pas trop mal. J'essaie de l'ouvrir avec une main, c'est pas facile. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai utilisé dans la palette donc de Sana, encore une fois la nouvelle là. J'espère que vous pourrez la trouver, d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui le jour où vous pouvez l'acheter, parce qu'elle sera encore dispo, mais en magasin logiquement, voilà, elle était logiquement disponible aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas été du tout chez Sephora parce que ce matin j'avais des choses à faire, donc c'était pas possible. J'ai utilisé le Wow, j'ai utilisé le Hey qui est au coin là, le mauve un petit peu tout en bas dans le coin vers ma bouche. Et j'ai utilisé... qu'est-ce que j'ai utilisé? Encore une fois, je le répète, je trouve qu'il n'y a pas de lumineux clair, beige lumineux. Mais je pense qu'il y en a un dans l'autre palette, donc je pourrais mixer les deux si j'ai envie. J'ai utilisé tout en haut là, près de ma bouche, l'espèce de burgundy marronné. Et encore une fois, le Lady Boss aussi là, ces deux là où j'ai mes deux doigts là. Les deux là, et le Woo j'ai utilisé en coin interne. Il est vraiment beau, il y a quand même de quoi faire, hein, je l'avoue. J'ai eu un petit peu moins de chute, mais j'en ai quand même eu pas mal. Donc voilà, pour aujourd'hui, vous voyez un petit peu le résultat. J'ai essayé de le mettre dans l'autre sens peut-être. Ah ouais, là vous voyez mieux. Et sur mes lèvres, c'est le rouge à lèvres MAC, le Soar, que j'aime vraiment beaucoup. Là vous voyez mieux. Et le liner Better Than Sex de Too Faced. Bon, hier j'ai rangé mon bureau, même si on ne dirait pas tout ça là. Tout ce que vous voyez, c'est à vendre. C'est à vendre sur Vinted. Il y a des choses que je dois faire avec mes enfants. J'ai un gros sac aussi, le sac vert là, c'est pour ramener dans ma classe, pour donner aussi. Voilà, j'ai fait du tri. Là-bas, il y a mon sac de produits terminés qui est juste là. Là, il est énorme, il est rempli à ras-bord. Donc j'ai plein de choses à vendre, plein de choses à mettre en photo. Je sais pas si j'ai la force de le faire. Parce que pour celles qui sont comme moi et qui trient régulièrement et qui vendent ou qui donnent, ben vendre ça demande de faire des photos, de mettre les publications sur internet, etc. Donc ça prend quand même du temps, après faut faire les paquets pour les envoyer, etc. Donc faut que je me motive, mais j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui, comme ça demain j'essaie de poster quelques colis s'il y a des ventes. Mon bureau est un petit peu plus clair, bon, on dira pas, hein. Mais si, il est plus rangé qu'hier. Moi c'est toujours ça en fait le problème avec cet espace, c'est que j'ai tendance à stocker, à laisser comme ça parce que je me dis je rangerai plus tard et puis après j'ai une montagne de choses à ranger. Êtes-vous comme moi? Je suis assez organisée mais en fait quand j'ai pas le temps je pose et je fais plus tard, je me dis plus tard et puis après voilà. Donc là, pendant les vacances, à chaque fois, c'est ma mission de ranger ce bureau, cet espace, et de trier, et de faire du rangement, etc. Surtout quand on est maman de trois enfants, je trouve qu'il faut quand même ranger régulièrement, trier régulièrement, voilà, pour un peu faire de l'espace. Ça sera aussi notre mission la semaine prochaine, je pense qu'on va trier aussi le garage, parce que, pareil, on a cumulé, on a laissé comme ça, on a fait des travaux, donc on a accumulé des choses, et il faut qu'on range. Coco, aujourd'hui on est samedi. Honnêtement, j'ai l'impression de ne pas vous raconter grand-chose dans ce vlog, mais ce n'est pas grave, au moins vous verrez mes make-up. Au niveau du make-up aujourd'hui, j'ai utilisé toujours la Sana avec celle-ci en combo parce que pour faire un make-up vert, c'est pas trop possible avec la Sana. Dans la Sana en coin interne, j'ai utilisé le seul vert qu'il y a, c'est le Saba. Ce vert est vraiment très très beau, c'est un vert clair comme ça que vous voyez juste ici. Et après, pour faire le reste, j'ai utilisé en base un crayon waterproof de chez Sephora qui est vert. Et j'ai utilisé la palette de chez Huda, la Emerald Obsession. J'ai surtout utilisé ce vert là, celui-ci aussi pour faire tout ce qui était dégradé sur les bords. Et au niveau du un petit peu marronné, orangé là, c'est dans la palette Sana, c'est la couleur Hakuna Matata et la couleur beige jaune, voilà. Je commence vraiment à apprécier cette palette et à pouvoir me maquiller avec. Et en plus aujourd'hui j'ai réussi à ne pas avoir de chute, parce que même avec cette palette on peut avoir des chutes puisque c'est des verts et ils sont un petit peu poudreux et le vert ça tache tout de suite le teint. Donc là j'ai réussi à pas avoir de chute, donc je suis plutôt contente du teint. Sur les lèvres j'ai juste mis un petit gloss, celui de chez Catrice que j'aime à la folie, parce que j'ai pas eu envie de mettre spécialement quelque chose, sachant que ce soir avec Ella, donc là je vous fais mon petit haul, après je vais chercher Ella, donc on fera peut-être un coucou tout à l'heure. Et ce soir on va à l'anniversaire de Emma, de la chaîne Emma Nails Makeup, Makeup Snails, un truc comme ça. Et puis il y aura d'autres copinotes et du coup ça va être plutôt sympa je pense, on verra ça. Et du coup voilà, ça va être une journée avec Ella. Demain avec Ella on part à Paris. Je pense que je vous emmènerai avec moi évidemment puisqu'on va faire la rencontre avec vous. On a décidé de faire dimanche une rencontre avec vous sur Paris, à Saint-Lazare. Donc vous verrez ça sûrement dans ce vlog. On va logiquement voir aussi Elodie Moitou, donc
ça va être quand même une semaine sympa, même si au début j'ai pas raconté beaucoup de choses. Voilà, ça, je pense que ça va être très sympa cette petite semaine. Finalement, je vais faire une vidéo séparée pour Noz, parce que j'ai peur que finalement ce vlog soit trop long. Donc vous verrez une vidéo All Noz sûrement séparée. Oui, c'est plus raisonnable. Coucou, on vous retrouve du coup avec Ella, comme je vous ai dit. Je suis allée la chercher à la gare et maintenant on va passer 2 jours ensemble. Ouais, c'est trop contente. Et c'est demain, les vacances pour moi, voilà, pendant 3 jours. Donc on va profiter, on va aller à Paris. Elle a l'air toute petite, mais parce qu'elle est assise sur une chaise plus petite. Et il y a mes crapauds là-bas qui sont juste à côté, qui font des bêtises. Son passage, hein, son passage. Non, non, surtout la grande, les passages du tout. Donc du coup, eh ben, demain on va vous rencontrer, peut-être certaines d'entre vous. Ça va être cool. Contente, on a hâte. Et puis ce soir, petite soirée. Ouais. On va se préparer après, même si je vais pas faire grand chose. Hein. On va rajouter des paillettes, et là. Un petit peu de paillettes et des fossiles. Ouais, des fossiles, sa signature. Et puis on ira voir Emma. Ouais. Pour l'anniversaire. Bon, je vous remets la chaîne d'Ella en barre d'infos et la rayon de soleil évidemment, si vous voulez aller la découvrir, voir ce qu'elle fait, tout ça, tout ça. Toujours des pépites. D'ailleurs, elle a refait des petits achats tout à l'heure et elle a acheté des pépites encore. J'ai fait encore des bonnes affaires. Mmh. J'adore. Coucou. Alors, on vous retrouve. On est lundi. Alors, vous avez qui? Monsieur Ilias qui est là-bas. Tu fais coucou. Et Madame Ella qui est là. Hello. Qui est toujours là. Et Papounet. Bonjour. Et du coup, hier, alors avec Ella, on a rencontré certaines d'entre vous. Donc, on fait des bisous à Nati, Joanne, Elodie. Bisous, bisous. Corinne, Émilie. Est-ce que j'en oublie? J'en oublie sûrement. Elodie. Melika, Latifa, Nour. Voilà, on vous fait des gros bisous, toutes celles qui sont venues, vraiment ça nous a fait trop merci, plaisir. Merci. C'est juste fou que vous soyez venus jusqu'à Saint-Lazare pour nous et tout. J'ai pas du tout vlogué hier, j'ai pas eu la force. J'avais envie de profiter de vous, profiter d'Ella, on a pas mal fait d'autres choses. Et aujourd'hui j'ai fait mes petits tours un peu partout avec la pauvre Ella, elle m'a supporté partout. Pourquoi tu n'es pas floue? Elle m'a supporté partout quand je suis partie voir mes collègues, etc. Donc elle est partie avec mon vadrouille, on a fait un peu de shopping. Et là, un petit peu tracouillé, pas beaucoup, mais vous verrez ça sûrement sur sa chaîne, hein, Ella. Ah oui, oui, oui. Une future vidéo. Pas beaucoup craqué, hein. Pas beaucoup. Raisonnable. Raisonnable chez Sephora, parce qu'il y a bientôt la Sephora Gold, etc. Mais elle était un peu chez Kiko, chez Emma. Nocibé. Nocibé, ah ouais, Nocibé, elle avait du mal à partir. Et mon papounet, hein, qui est toujours là. Uber. Voilà. Il nous emmène à l'aéroport, en fait, pour prendre notre train. Donc c'est notre taxi. Hein. Rentrer dans le nord. D'ailleurs, il y avait une dame à Nocibé qui nous a osé nous dire, mais qu'est-ce que vous êtes parti faire dans le nord? J'ai dit, moi je suis déjà belge. Bah. Et moi, elle m'a dit, mais vous êtes du nord près de Lille, mais qu'est-ce que vous êtes parti faire d'ici à là-bas? Non mais la fille. Ouais, elle m'a dit ça, je te jure. Comme si c'était horrible d'aller dans le nord. Mais non, c'est sympa le nord. Oh. C'est plus calme. Ouais, c'est cool. Bon, allez, on rentre chez nous, dans le Schnorr. Dans le Schnorr. Et honnêtement, on y est très bien aussi. Hein. Il y a... Et comme ça, ça peut nous permettre de faire quelques petits city trips là pour Paris. Ouais, c'est vrai. Prendre le train, le bus. Notre petite aventure de 2 jours avec Ella. Ça va, j'ai pas été trop insupportable, madame? Non. T'as le droit de dire la vérité, allez, personne non, t'en veut. Franchement, non. Hein. Je suis pas difficile, moi. Non, c'était cool. Elle m'a même invité à venir en Tunisie. Donc j'ai hâte de pouvoir la rejoindre là-bas. Oh là, oui, ça va être chouette. Ouais, ça peut être cool. Bon, ça sera encore mieux parce que ça sera au soleil. Ah oui. Ça peut être que mieux là-bas quand même. Ça c'est sûr. Et puis on va quitter Papounet, hein. On va t'abandonner dans ton Paris toi. Au revoir les amis. Au revoir les amis. Et puis on se retrouve dans la suite de mon vlog. Vous avez besoin d'un Uber, il n'y a pas de souci. Il se fait de la pub, tu sais. Voilà, au 06. Ah non mais c'est vrai qu'il est parfait pour ça. Et hier d'ailleurs, petite info, exclu, t'as été où papa? PSG Bordeaux. PSG Bordeaux au match en mode VIP, monsieur, il a vu les joueurs, les stars, les machins, les trucs, hein. Tranquille ou bilou, papou, hein. Vraiment bien. Ouais, il s'est bien amusé, il a ramené une casquette pour petit crapaud, là. Il s'est régalé. À la classe, papa. Ouais, non, ça s'est bien passé. Il a eu de la chance, quoi. Un petit peu en VIP, là. J'ai vu les joueurs. Il a vu les joueurs, un DJ connu. Je vous remettrai le nom si j'ai le nom, parce que je sais pas. Et puis voilà. Non mais écoute, on a passé 2 jours super sympas quand même. Rapide, hein, ça passe trop vite le temps, mais ça va.
Et toi, on te revoit plus, allez, retour dans ta belle. C'est la pub pour Pepsi Max. Moi, je valide, j'aime bien Pepsi Max, donc c'est bon. Ouais, je préfère Coca Zero, mais Pepsi Max, ça passe aussi. Ça passe aussi. Non, y a pas moi, y a pas. Team Coca ou Team Pepsi, dites-nous tout. Voilà. Salut. De retour chez moi, dans ma maison, avec mes crapouillous. Petit make-up aujourd'hui encore avec la Sana, comme ça je me suis dit que j'allais continuer à l'utiliser. Je l'ai vraiment utilisé que pour faire une sorte de base, un peu rosée comme ça, le coin externe. Et après, tout ce qui est paillettes là, c'est un produit que j'ai eu dans mon swap avec Lily de chez Too Faced. Je ne sais plus son nom, j'essaierai de vous le rajouter ou de vous le montrer tout à l'heure. Mais voilà, très très joli. J'aime bien ce petit rendu un peu, rosé qui va très bien avec mon petit pull. Je voulais remercier Elodie, donc alias Sakura, je crois, dans les commentaires, qui nous a offert pendant notre petite rencontre un petit... trop mignon, hein. Donc trop adorable. J'ai aussi eu un petit porte-clés comme ça qui lui correspond plutôt bien, je trouve. Et de la part de Corinne, qui est alias Coco Création sur Insta, elle nous a offert des petites choses. Elle m'a offert, alors si ça veut bien sortir, un petit masque de chez Knip pour le visage comme ça, de chez Action. Donc c'est trop mignon. Là c'est à l'huile d'argan, donc très sympa. Un petit crayon noir comme ça de chez Sion. Donc j'ai jamais testé cela, et un petit rouge à lèvres de chez Max & More comme ceci, que je n'ai jamais testé, donc très sympa. Et on a eu des super beaux dessins de Nour, la petite qui était là, et puis ils sont rangés dans mon carnet parce que je voulais pas les abîmer dans le transport. Je les montrerai aussi à mes enfants, je pense. J'essaierai de vous les montrer tout à l'heure, sinon je vous montrerai ça sur Instagram, je pense. Donc voilà, on a vraiment été trop trop contente de voir les abonnés, de voir Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout, c'était vraiment trop cool. Toujours trop court, on va dire. En plus, j'ai couru partout, j'ai eu l'impression de courir partout le lundi et tout. Là, j'ai retrouvé mes crapouillots, donc je suis contente aussi de repasser du temps avec eux. Ils sont partis à la sieste, je vais donc manger et corriger des feuilles. Oui, il est temps maintenant de me remettre à bosser ma classe, parce que quand même, ça fait une semaine que j'ai pas bossé. Et voilà, je vais remettre à bosser ma classe, etc. Je vais recommencer un petit peu à préparer aussi mon cahier journal. J'ai trop de mal. Si vous savez pas ce que c'est un cahier journal, je vous remets ma vidéo préparation dans le petit i, ou la façon dont je prépare ma classe, etc. Et il va falloir que j'imprime aussi tous les bons pour Mondial Relais, pour les colis que je dois préparer, puisque sur Vinted j'ai mis des annonces pendant que j'étais partie à Paris. Vous avez été nombreuses à craquer, hein, mon Vinted, je vous le remets ici, mais c'est Karine Miss Boop, hein. Et vous avez été nombreuses à acheter plein de choses, donc il faut que je prépare les colis tout à l'heure. Et comme ça, ce soir, je pense que j'emmènerai tout au Mondial Relais. Donc ça va être aussi ma mission du jour. Comme d'hab, j'ai toujours des missions de dingue et j'ai toujours la flemme de faire la moitié. Mais les Mondial Relais, il faut que je fasse, et mes corrections aussi, il faut que je commence. Allez, on se booste, on se motive, Allez. Hello, aujourd'hui, suite du vlog. Ce matin, je suis partie à la poste. Hier, j'ai fait tous mes colis. Il y avait quand même presque 20 colis. Là, on va aller les emmener avec chérie. On va aller manger au restaurant avec les enfants. Mais on va emmener mes 20 colis Vinted. Honnêtement, vous avez été juste des dingues. Merci pour tout, hein, pour vos achats. Merci. Je suis passée chez Emma avec Ella quand j'étais à Paris. Et du coup, je voulais vous montrer. J'ai acheté des petits trucs d'anniversaire qui peuvent peut-être intéresser certaines d'entre vous. Pour la déco de ma fille, puisqu'elle va inviter ses copains de classe, j'ai pris des petites assiettes comme ça avec les verres et les serviettes en version étoile. Je n'ai pas pris beaucoup pour éviter de faire du gaspillage. J'ai pris ces petits pompons là qui vont resservir pour plusieurs anniversaires, parce que j'en ai pas dans ce style là, donc j'étais trop contente d'en trouver. Étant donné qu'on va faire un peu sur le thème des licornes et tout ça, je lui ai pris une espèce de ballon. Faut que j'achète de l'hélium maintenant, mais des ballons comme ça, licorne, le ballon avec le cas. J'ai pris aussi des ballons avec les numéros de son anniversaire, le 5, elle va avoir 5 ans déjà, oui 5 ans. J'ai pris des petits cadeaux, alors une petite bannière comme ça avec écrit Happy Birthday en or. J'ai pris des petits cadeaux pour mettre dans des sacs cadeaux, donc des petits tampons princesses, etc. Des petits crayons gris avec les gommes en animaux. Des petites bubules comme ça pour mettre dans les sacs cadeaux. Et j'ai pris des petits sacs cadeaux, voilà, une étoile, comme le thème, hein, on va dire. Des petits bonbons aussi pour mettre dans les sacs cadeaux, vous savez, les fameuses soucoupes qui rappellent trop l'enfance, hein. J'ai pris des petits pic-pics comme ça pour mettre dans la déco d'anniversaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'ailleurs un vlog anniversaire ou pas. J'en ai toujours fait des vlogs anniversaires, mais c'est vrai que je sais plus si l'année dernière j'en ai fait un ou pas. J'ai pris les bougies d'anniversaire pour mes enfants, donc comme ils ont tous leur anniversaire en même temps, j'ai pris pour les trois. Toujours dans les cadeaux, j'ai pris des balles rebondissantes. Je sais que les parents seront ravis de ces petits cadeaux-là. Et des petits bracelets pour les filles. Des petits bracelets comme ça avec des petites étoiles, etc. Moi, je me suis repris ma gourmandise préférée.
Et pour mon planeur, pas pour mon planeur, aussi peut-être pour mon planeur, mais surtout pour mon belette, j'ai pris deux planches comme ça en métal comme ça pour faire les formes qu'on veut dans notre bullet journal. Je sais pas si vous voyez bien les flèches, les cadres, des ronds, des bulles, voilà, des sortes de gabarits. Et ça, je suis trop contente d'avoir trouvé ça chez Emma. Il y avait plein de trucs pour les planeurs, les bullet journal. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller chez Emma ou sur le site internet, il y a vraiment des petites pépites. J'étais trop contente d'aller faire un tour avec elle là-bas parce que bah du coup j'ai pu trouver la déco d'anniversaire. J'ai l'anniversaire, comme je vous disais, de mes enfants tous au mois d'avril et ma fille va le faire avec ses camarades de classe en plus. Donc plein de préparations qui m'attendent, je suis ravie. Bon, ce matin, direction le restaurant, j'ai faire une photo d'un produit que j'ai reçu cassé, parce qu'il faut que j'envoie au site, et puis je vais faire ça, je pense que je vais faire ça, je vais cet après-midi bosser ma classe. Oui, j'ai toujours pas commencé à bosser ma classe. Il faut vraiment que je le fasse, hein. Je suis désespérée. Faut que j'arrête de dire ça à chaque fois dans mes vidéos. Coucou! Aujourd'hui on est vendredi et j'ai décidé de faire Smoky Eyes version vert. Oui, ne me demandez pas pourquoi, je me suis laissé emporter. J'ai utilisé une des vieilles palettes Huda Beauty que j'ai, une des premières que j'ai achetées de chez Huda Beauty, je vous la montrerai tout à l'heure. Et les paillettes que j'ai achetées dans mon dernier haul, Vite Vanity, haul Vinted, etc., etc. Je vous montrerai tout à l'heure rapidement les palettes. Du coup je suis trop contente du résultat et pour une fois j'ai fait mes yeux avant mon teint. J'ai réutilisé sur ma peau le fameux fond de teint de chez Emma avec la poudre aussi enluminatrice que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps de chez Emma. La poudre, je l'aime plutôt bien. Ça va pas remplacer ma bailleterie, mais elle est plutôt pas mal. Je vais continuer à la tester. En revanche, le fond de teint, j'aime pas trop de chez Emma. Il n'est pas adapté aux peaux sèches. Il a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse. Je vous le déconseille si vous avez un peu des petites peaux sèches comme moi. Je viens de recevoir un colis de dingue, en tout cas je sais pas si c'est dingue, mais c'est un colis Chronopost frais, de la part de Pierre Hermé. Pourquoi je reçois un colis de Pierre Hermé? C'est pour ça que je suis dans ma cuisine d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai été une des trois premières sur le site Yo. Y-O-O, je vous en ai parlé dans une vidéo, produits gratuits, bon plan, etc. Et du coup sur ce site là, c'est une plateforme un peu comme Octoly et c'est pour les influenceuses ou en tout cas celles qui sont sur les réseaux. Et sur cette plateforme, je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment, j'ai eu beaucoup de parrainage quand j'en ai parlé. Ce lien de parrainage ne me rapportait absolument rien au moment où j'ai partagé ça. C'était juste pour vous faire découvrir cette application. C'est grâce à cette application que je reçois de temps en temps les bougies My Jolly Candle. Et du coup bah voilà, j'ai eu des parrainages, ça m'a apporté des points, mais ces points là ne m'apportaient rien. On va dire, je sais pas si je suis claire, mais du coup là en fin d'année ils ont fait un tirage au sort entre guillemets, les trois meilleures personnes qui ont parrainé le plus de gens. Je ne savais absolument pas qu'il y avait cette sélection, hein. Honnêtement c'était pas dit, je pense qu'ils ont décidé ça eux-mêmes à la plateforme, et je faisais partie des trois meilleurs, et je suis ravie. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un petit cadeau prochainement pour me remercier. Ben, j'attendais rien encore une fois, et j'ai été contactée par Pierre Hermé pour recevoir mon petit colis, et je viens de le recevoir. Et comment vous dire que quand je suis allée à Paris pendant cette rencontre abonnée, j'ai craqué sur des macarons Pierre Hermé. Je vous avais mis une petite photo, je vous mettrai ici sur Instagram, où j'avais grignoté quelques macarons Pierre Hermé, parce que ce sont mes macarons favoris. Et j'en avais acheté pour chérie. Ça m'avait quand même coûté 23 euros les 8 macarons. Hein. C'est pour vous donner une petite ordre d'idée. Ce sont des macarons qui sont juste succulents. Vous pouvez les conserver au frais. Ils sont encore très bons même deux jours après. Voilà, on les a dévorés avec chérie. On adore les macarons Pierre Hermé. Mais malheureusement à Lille, il n'y en a pas. Là, j'ai été livrée hyper rapidement. J'étais étonnée. Et en plus, voilà, c'est un cadeau. C'est des produits frais de chez Pierre Hermé. Je suis trop contente. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Déjà je reconnais le packaging puisque j'ai acheté une boîte dans ce style là de chez Pierre Hermé, du coup avec les fameux 8 macarons. Et ouloulouloulou, je ne sais pas du tout ce que ça nous réserve, mais en tout cas là on a une boîte. Est-ce que ce sont des macarons aussi? Là c'est un assortiment de bonbons au chocolat. Je vais ouvrir tout après et vous montrer, je pense. Oh, je sais pas s'il y a des macarons, mais qu'est-ce que ça me donne envie. Oh là là, oh là là, oh là là, on va se régaler avec chérie. Oh mon dieu. Ah oui, je comprends pourquoi c'est en frais et qu'il fallait que je sois absolument là pour la livraison. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce que c'est donc? Un cake aux framboises, litchi et rose. Alors, je vais pas l'abîmer, mais je pense que je vais faire une jolie photo. Il y a même le sac en dessous. C'est trop marrant. Oh là là. Et là, est-ce que ce sont... Oh, des macarons! Je suis trop contente et c'est trop bien. Oh là là. Oh là là, oh là là. Comment vous dire que je suis méga ravie? Je vous montre ça juste après, ouvert.
D'ailleurs, regardez ce que j'ai gardé. Quand je suis allée à la boutique, j'ai gardé le papier avec tous les goûts des macarons. Et moi, je suis vraiment une grande fan des macarons, Pierre Hermé. Je ne vous mens pas. Et celles qui sont venues à la rencontre le savent. Hein. Et j'en ai ramené pour Chéri parce que lui aussi, je sais que c'est un grand, grand fan. Vous avez tous les goûts du moment. C'est par période. Vous avez des goûts un peu signature qui restent la signature de chez Pierre Hermé. Et puis après, vous avez des goûts qui changent en fonction des saisons et des périodes. Donc là, c'était février, avril, puisque bah, c'est pendant tous les 2-3 mois. Et après, ça change au niveau des saisons. Et voici ce que j'ai reçu de Pierre Hermé. Comment vous dire que là, avec Chéri, ce soir, on va se régaler dans un beau sac comme ceci, là. À l'effigie de Pierre Hermé. Les petits chocolats que j'ai jamais goûté chez eux. Les petits macarons que j'adore et le fameux cake que vous avez vu tout à l'heure qui est juste trop trop beau. Framboise, litchi et rose. J'ai hâte de goûter ça ce soir. Et je vous en reparlerai dans une story, je pense, Instagram qui sera permanente. Comme ça, vous la verrez d'ici le moment de ce vlog. C'est la story food. Je pense que je vais vous mettre ça dedans. Comme ça, vous pourrez avoir mon avis sur ce gâteau, si ça vaut le coup et tout. Mais je suis quasi sûre que ça vaut le coup. Au niveau du teint, donc comme je vous disais, j'ai utilisé le Emma avec le Bondi Sway en concealer. J'ai utilisé au niveau du teint aussi la fameuse poudre Cover FX pour le blush. Il est vraiment magnifique. Pour une première utilisation, je suis conquise. Mon fameux Chocolate Soleil, la poudre dont je veux parler de chez Emma. Et sur les yeux, puis le mascara, hein, j'ai toujours mon trio. D'ailleurs, celui-ci va partir à la poubelle puisqu'il est terminé. Et mon dur chaud ne devrait pas tarder. Et sur les yeux, donc la fameuse Rose Gold édition, donc la toute première de chez Huda Beauty. J'ai utilisé donc le noir pour faire le côté smoky, avec en base un crayon noir de chez Sephora Waterproof. Ensuite, j'ai utilisé ces deux marronnés pour faire le creux externe. Celui-ci pour le rat de cils, n'importe quoi. Pour, comment on appelle ça, en dessous les sourcils plutôt, pour illuminer. Et celui-ci pour... par-dessus le noir, c'est un espèce de vert un peu mordoré, il est très beau. Et les paillettes viennent de cette palette-là de chez Makeup Revolution. Et c'est ces paillettes-là, là, les Fancy, qui sont vraiment très bien. Je suis plutôt conquise de cette première utilisation. Il faut une colle à paillettes, hein, clairement, pour ces paillettes-là, mais c'est plutôt pas mal. Et en coin interne, j'ai utilisé un petit vert qui est dans une des palettes de chez Huda, la fameuse palette verte, j'ai oublié de la sortir. Mais voilà, c'est un petit vert assez simple, juste histoire d'illuminer le coin interne de l'œil. Sur mes lèvres, j'ai utilisé le fameux Beaming qui est le métallisé ici, juste ici là où il y a mon doigt, de chez Anastasia dans le kit que j'ai reçu. Mais il a une toute petite tendance, c'est un métallique qui est très beau, mais une tendance un peu à s'effriter au niveau du bord des lèvres. Donc j'ai rajouté une petite pointe de gloss, c'est le gloss Marc Jacob, le Love Buzz Enamored 324. Donc voilà pour le make-up. J'ai oublié de vous dire, hier je vous ai pas du tout filmé, puisque là aujourd'hui on est vendredi. Hier jeudi j'ai pas du tout filmé parce que on a été à la piscine avec les enfants le matin. L'après-midi j'ai fait mes corrections. Oui, enfin j'ai bossé mes corrections, j'ai corrigé plus de 60 copies. J'en pouvais plus à la fin, je peux vous le dire, mais bon. Aujourd'hui, à midi, enfin à 13h quand mes enfants iront à la sieste, ça sera la même, hein, ça va être correction et préparation pour ma classe. J'ai plein d'idées, donc il va falloir que j'exécute tout ça. Et d'ailleurs, ce soir, il faut que je regarde le film Les Animaux Fantastiques, puisque je vais travailler avec mes élèves sur ce film-là, mais sur les textes du film. Donc je voudrais voir le film, et ensuite je vais pouvoir taper les textes en version tapuscrit pour travailler avec eux. Simplement bosser avec eux, ça va être plutôt sympa je pense. On va essayer de préparer tout ça. Donc je vous ai pas forcément tout montré, hein, sur mes préparations, je vous avoue que j'y pense pas forcément, hein. Le make-up, j'adore partager avec ça avec vous, mais bon, après vous me direz ce que vous préférez dans mes vlogs, si vous préférez voir le côté maîtresse ou un peu de tout, le make-up, les colis, les choses comme ça, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Coucou, on est samedi et petit make-up bleu, vert, pardon. Aïe, j'adore le vert, voilà, c'est foutu, j'ai envie de me maquiller en vert ou en doré comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Et j'ai utilisé aujourd'hui la mini star, je crois que c'est ça, non, la mini gold de chez Natasha Denona. Je vous avouerai que toutes les mini comme ça, je les adore, je trouve qu'elles sont simples à utiliser, quand on en a plusieurs comme ça, on peut faire des petits make-up sympas et tout. Et sur les lèvres, j'ai utilisé donc de mon kit Anastasia, comme ça, que vous avez vu dans mon dernier haul. J'ai utilisé la teinte qui est juste magnifique comme ça, c'est la teinte On Mute.
Il est trop beau, trop beau, trop beau. Je pense que je rajouterai tout à l'heure du gloss par-dessus, histoire de pumper les trucs. Mais voilà, j'aime bien mon make-up. Pourquoi j'ai fait un joli make-up comme ça? Parce que bah, j'aime bien ça, hein, vous le savez. Et puis ce soir, on va sortir avec Chérie, donc j'avais envie d'utiliser un peu des couleurs qui changent. Voilà, du doré pour aller avec mon pull, un petit peu de vert, ou ça, je me suis dit, ça changeait. Et j'ai mis mon liner Better Than Sex de Too Faced. D'ailleurs, faut que je le rachète à la soirée Gold, je pense, parce que vraiment, je l'aime. Et je pense que celui que j'ai, là, il va pas trop... Il va bientôt se terminer. Donc voilà, là j'ai enlevé mes faux ongles, j'ai enlevé ma manicure, vous voyez j'ai les ongles tout courts, tout coupé, parce que bien les faux ongles qui s'impressent, j'adore, mais il faut avouer que ça abîme un petit peu l'ongle, et là je vais laisser un petit peu mes ongles respirer, enfin on va dire sans faux ongles, et je vais mettre du vernis traditionnel, donc là j'ai décidé de mettre un petit vernis de chez Catrice, comme ça un espèce de violet foncé bordeaux, un peu vin, et avec des petites paillettes de chez Essie, comme ceci, elle s'appelle 383 les paillettes et le vernis Catrice. Est-ce qu'il a un nom le petit vernis Catrice? 38 Vino Tinto, alors je sais pas si vous les retrouvez encore, mais j'adore cette couleur, ça fait longtemps que je l'ai, et ils sont vraiment top les vernis Catrice pour info, pour petit prix, et tiennent très bien. Avec mes enfants ce matin, on a fabriqué un petit igloo, c'est les activités PandaCraft, je vous mettrai une photo de notre petit igloo. On a fait ça, j'ai lavé par terre, enfin bon des trucs de maman, j'ai rangé le linge, j'ai lavé mes pinceaux, voilà. Et cet après-midi, je pense, voilà, je vais continuer à corriger mes copies. J'ai encore un énorme paquet de copies, même si ça fait 3 jours que j'y suis à fond et j'ai corrigé au moins 200 copies, honnêtement. Pourquoi j'avais autant de copies à corriger, vous devez vous demander, hein. Eh bien parce qu'avant les vacances, j'ai fait mes livrets, hein, j'ai corrigé mes évaluations, j'ai fait mes livrets en ligne. Du coup, ça m'a pris un temps monstre et bah, y a des feuilles comme ça que j'ai ramassées de mes élèves mais que j'ai pas corrigées tout de suite. Je me suis dit que je le ferai pendant les vacances, donc voilà pourquoi j'avais plein de copies à corriger. Mais là, je vais rattraper tout, j'ai presque fini et comme ça, demain, je prépare dimanche ma classe pour ma semaine, comme tous les dimanches. Je vous renvoie vers ma vidéo préparation, comment je m'organise le dimanche. Et voilà, donc comme ça... Cet après-midi, je vais faire ça et puis ce sera fini. J'espère que ce weekly vlog, un peu long peut-être, vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à me donner des idées de vidéos pour d'autres vidéos, enfin pour des prochaines vidéos, parce que je vous avoue que je suis un peu en rade d'idées. Et puis, j'ai hâte de vous lire en commentaire comme d'habitude. J'essaie de vous répondre un max. Parfois, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais là, pendant les vacances, comme il me reste quelques jours, j'ai encore un petit peu de temps pour répondre. Donc, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais des gros bisous. Salut!